Salut tout le monde, on se retrouve sur le nouveau Machinica Atlas, la suite. On est parti. Nous sommes un scientifique. On nous a appelés pour comprendre des technologies extraterrestres. Nous avions réussi à partir, à monter une navette à partir de matériaux récupérés à divers endroits. Ça a fait une capsule qui nous a emmenés sur une autre planète. De quoi est-ce que je me suis laissé embarquer? Il y a quelques heures, j'étais dans mon bureau, et maintenant, me voilà perdu dans un vaisseau spatial inconnu. C'est exactement le fauteuil en question. Ici, notre tableau de bord. Pour aller sur une astéroïde. Ok. Notre siège doit intégrer ce vaisseau. Qu'est-ce que je peux bien faire ici maintenant? Regardons ça. Il a trouvé une clé mystérieuse. Je pense que là, bon, au début, il te montre. T'as vu, dégage la chaleur, j'ai vraiment examiné de plus près. On a récupéré une clé, mais pas complète. Je suppose que la clé. Ne correspond pas. Ah, ok. En croix, comme ça? Ok, il manque pas un bout en fait. Pardon.
Ok. On a re-loin le vaisseau. Ok. On a rejoint le vaisseau, je peux venir le rejoindre. Oh, c'était stylé. On voit toutes ces capsules, ça veut dire que... Allez, se fermer tout. 1, 2, 3, 4... J'ai encore mon Toki Walki sur moi. Peut-être que je peux joindre quelqu'un extérieur. Après sur d'autres planètes, mais bon. Pas de réponse. On dirait que je vais devoir me débrouiller seul. Heureusement, le véhicule qui m'a emmené ici, elle a l'air de ne pas avoir servi. Ça bon, c'est ça. Ouais, c'est ça que ça qu'on va repartir. Celle-là, elle est éclatée. Hein. C'est vrai que c'est coincé. Ça a laissé une trace des brûlures. Ok, c'est les réglages. 2, 2, 2. Ok. Non, c'est pas ma clé. Individuel, ça fait surtout penser à des sièges éjectables, ils sont vides. Que s'est-il passé ici? Il y a une autre porte là. Date 2023, 11-18. Qui trouvera cette lettre? J'ai eu l'honneur et le plaisir de vivre sur ce vaisseau de nombreuses années. Et bien que ce n'était pas été volontaire, ça a été les plus belles années de ma vie. Ce groupe improbable d'extraterrestres voyageurs, c'est quelque chose. Depuis plus d'un siècle, l'humanité a été en contact avec d'autres civilisations. C'est la première fois que nous rencontrons une qui s'est donné une mission. Pas juste vivre ou consommer et s'entendre. Comme tout le monde, non. Cette civilisation tout entière s'est donnée pour mission de rencontrer d'autres peuples et d'unir la galaxie dans la paix, y compris la Terre. Je ne sais pas quand on a eu, qu'on ait la chance un jour de voir ça. Pourtant j'ai essayé de les convaincre de ne pas le faire. De les convaincre que l'humanité, il n'y a rien de pire. Mais ils ont désespérément optimiste. Je ne crois pas aller à notre rencontre soit une bonne chose, mais j'espère avoir tort.
Quoi qu'il en soit, à présent, je ne vais pas vivre assez vieux pour voir ça. Mais j'espère que quelqu'un le verra. Si vous pouvez lire cela, peut-être que ce sera vous. C'est bizarre, c'est verrouillé, ça. Ah, c'est les autres lettres qu'on doit trouver, ok. Ok. Ce qui m'attend de l'autre côté. Il va pas par là par hasard. Donc, deux ici, deux gauche, séparés ici, un au milieu, deux à gauche, et un là. Rien ne se passe, ce sont pas les bonnes positions. Ah bon? L'inverse. Ok. Ça a ouvert la porte. Des capsules. Manque d'électricité. Ouais.
pas se relier. C'est bon, c'est pas bon. Les autres ils s'allument mais je comprends pas, hein. Il y a le circuit pourtant.
Ok. Dérivation, ok. Ah mais non, faut que je mette des trucs dans le passe. Ok. Ok, ok, la porte open the door. Thank you.
Et voici notre premier chapitre terminé. Nous le reprendrons la prochaine fois. En attendant, salut tout le monde. Ciao.